Des crânes et mâchoires d'éléphants saisis par les agents des eaux et forêts à Mindourou, dans le département du Ognon, région de l'Est. Le présumé trafiquant n'a pas échappé aux forces de l'ordre. C'est le résultat d'une opération coup de poing menée conjointement par les agents en charge de l'application de la loi phonique de la délégation départementale des forêts et de la faune du Ognon et les forces de maintien de l'ordre. Nous avons tendu l'embuscade, sachant effectivement que l'intéressé devrait y passer. Nous avons aperçu un taxi brousse que nous avons tout de suite interpellé et procédé, n'est-ce pas, à la fouille, n'est-ce pas, systématique des bagages, où nous avons donc dénombré 4 colis où, contenant, n'est-ce pas, des crânes d'éléphants et des mâchoires dissimulées dans des sacs. Et pour intensifier les opérations contre les trafiquants, ces agents de la délégation du Ognon ont lancé une croisade contre le braconnage de la faune, en particulier des gros mammifères. Le département du Ognon regorge l'une des dernières poches de forêt du bassin du Coco encore intacte et où maintenant tout le monde semble se focaliser pour mener des activités illégales. Depuis un certain temps, il ne se passe pas un jour. On ne nous informe au niveau du département qu'un éléphant a été abattu. Avis à d'éventuels trafiquants.